Bonjour les artistes, bienvenue sur ma chaîne d'art pouring. Je suis Virginia et aujourd'hui on va voir ensemble un swipe avec les produits d'Ambre Art Paint. Et vous allez tout savoir de mes mésaventures avec Facebook. Hey, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Donc du coup, aujourd'hui ça va être une vidéo qui ne sera pas trop technique, vous allez pouvoir regarder. Donc c'est avec les produits Ambre Art Paint, donc Au Flow et Troll. Et donc avec le spécial swipe blanc de chez Ambre Art Paint. Et donc sinon, je n'ai utilisé que des couleurs Triard ou Amsterdam Expert. Et donc j'ai utilisé, vous vous rappelez de la vidéo où je vous parle donc des peintures que j'ai achetées sur Fluidart & Co. Et je vous parle d'un vert or, et que pour moi il a plus l'air d'un vert olive qu'un vert or. Bon, il s'avère que oui, pour moi il fait pas vraiment or, mais c'est un très beau vert et au final je l'aime beaucoup. Et donc voilà, je l'ai utilisé dans cette toile. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte de la beauté de ce vert par vous-même. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez. Alors sinon, je vous disais, ça fait un moment que vous ne me voyez pas, que j'ai pas sorti de vidéo. Eh bien, c'est parce que j'étais bien occupée à faire une toile en fait au pinceau que j'expose en ce moment à Cultura, donc la gardienne de lumière, qui m'a pris un petit peu de temps, d'où en fait, comme j'avais l'exposition, eh bien du coup, je me suis pressée à la terminer. Et j'ai un petit peu mis de côté donc mes vidéos. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous et donc je vous raconte un petit peu tout ce qui m'est arrivé depuis. Alors déjà, on va démarrer par la chose la plus positive. Aujourd'hui, je suis à plus de 3000 abonnés, donc je vous remercie de votre confiance. C'est vraiment... J'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne pensais... j'ai commencé parce que j'étais dans un groupe. Et je sais pas, j'avais envie de partager un petit peu la peinture, mais plus dans le groupe en fait, dans un petit groupe de personnes. Et je me suis dit, allez, si ça fait 30 vues, je suis contente. Et je démarrais pas du tout en fait en pensant faire une chaîne en fait, vraiment dans le partage d'un petit groupe quoi. Et finalement, eh bien au bout de quelques vidéos avec les Dutch Pour, disons que j'ai fait plus de 1000 vues, et là je me suis dit, bah, finalement ça plaît, ça a l'air de plaire, et puis moi ça me plaît de faire des vidéos en fait. Et donc du coup, petit à petit, voilà comment a démarré mon aventure YouTube. Donc vraiment, je vous remercie de votre confiance et vraiment, j'aurais jamais cru même me placer derrière une caméra, parce que je suis quelqu'un à la base d'être très timide et j'ai horreur qu'on prenne en photo, en vidéo, surtout si je ne vois pas, enfin bon, j'ai beaucoup de mal. Et donc j'ai fait un gros effort pour vous et quelque part ça m'a aidé moi aussi à évoluer, à grandir et à être beaucoup moins timide. Donc voilà, c'est un partage et ça m'a fait grandir. Donc j'espère que bah, vous allez me suivre encore longtemps, j'espère faire des vidéos longtemps et je vous remercie vraiment de votre confiance, de m'écouter, de regarder tout ça. Voilà. Et sinon, bah, je voulais parler aussi de ma petite mésaventure que j'ai eue avec Facebook. Mon compte a été désactivé parce qu'une personne a en fait porté plainte, enfin pas porté plainte, mais m'a signalé à Facebook pour vol d'image. Donc je ne sais pas qui est cette personne, elle l'a fait 4 fois, ça fait 3 mois que je me battais avec ça. Et donc je ne peux pas me plaindre aujourd'hui. Parce que j'avais 24 heures, si vous voulez, pour me défendre à Facebook. Et j'ai passé le délai des 24 heures, donc ils m'ont désactivé. Le problème, c'est que pour se plaindre, il faut se plaindre par l'intermédiaire de notre compte Instagram lié à Facebook. Le souci, c'est que le compte Instagram qui était lié au Facebook a été repris par une autre adresse Instagram que moi, que je ne connais pas. Donc, heureusement pour moi, je n'avais pas... mon Instagram pro n'est pas lié avec mon Facebook. Heureusement pour moi, ça le sauve. Mais par contre, il a été repris par quelqu'un d'autre. Donc, si mon compte Facebook réapparaît, se réactive, ce ne sera plus moi qui sera aux commandes. Je préfère vous prévenir, pour ceux qui me suivent. Sur Facebook, vous pouvez tout de suite m'enlever de vos amis parce que moi, je ne le reprendrai pas, j'ai pas été me défendre, donc ce ne sera plus moi. Sur ce, à la fin de toute cette petite histoire, le côté positif, ce sont les 3000 abonnés. Je vous remercie et à très bientôt.